Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un vidéo test sur Super Mario 3D World. Hop, alors un jeu sorti au début de la console, hein, en 2000. Il est sorti en 2013, un truc par là. Ça fait longtemps déjà. Et voilà la nostalgie, hein, on revoit sur la chaîne Oliver Fluff quand même le menu Wii U. Hein, la Wii U ressortie du placard. Non, parce que bon, la Wii U elle sert encore pour les Mario et Luigi qui sont en dessous. Voilà, commençons. Ouais, je vais faire un vidéo test pas trop long. J'ai pas énormément de choses à dire, à part que bah. Voilà, je vais pas vous le cacher, hein, je vais le dire directement. Ce jeu là pour moi c'était une grosse déception. Alors aussi, oui, vous devez remarquer une différence. Car là, j'utilise pour la première fois mon nouveau boîtier d'acquisition qui est branché en même temps sur mon PC portable. Hop, donc normalement ça doit faire du 1080p 60 fps. Alors voilà, faut quand même un PC de gros psychopathe pour que ça tourne en 1080p 60 fps non-stop. Donc oui, bon, je suis plutôt à du 50 fps, mais bon, ça reste quand même très très propre. Moi, je vais prendre ma Mario normalement. Quoique, je préfère Toad. Parce que c'est le plus rapide du groupe. Alors, ça fait très longtemps que j'ai plus joué à Mario 3D World. Pour tout vous dire, ça fait 3 ans. Et donc, bah, je me souviens très bien quand même de. Des niveaux, etc. Et le problème, c'est qu'il y a 3 ans, j'avais pas la même Wii U. Alors, il y a 3 ans, c'était la Wii U familiale. Là, j'ai ma propre Wii U depuis. Ça fait 2 ans. Déjà, que j'ai acheté. Et le problème, c'est que quand on a une autre Wii U, on peut pas transférer les sauvegardes. Et j'avais la flemme de refaire ce jeu-là, 3D World. Donc là, voilà, là c'est une nouvelle partie, quoi. Donc voilà, il y a une vieille intro. Comme d'habitude, un Bowser, il kidnappe des trucs. Cette fois-ci, c'est pas Peach, parce que Peach, on va la jouer. Enfin, on va pouvoir la jouer. Ah, donc il n'y aura pas du tout du spoil, hein. Dans ce vidéo test, pour une fois, j'ai envie de dire. Et bon, j'ai pas trop envie de vraiment vous montrer différents niveaux parce que vraiment ça a été la grosse déception ce jeu. Alors certes vous voyez il est joli, c'est le premier Mario en 3D en HD. Et c'est principalement pour ça aussi que je suis je suis vraiment déçu. Parce que c'est certes le premier Mario en 3D HD, mais à côté de ça, vous allez voir que c'est pas véritablement un Mario en 3D. C'est assez compliqué de dire comme ça, mais ça ressemble plus. Voilà, on peut changer les personnages directement comme ça. On peut jouer à 4 en tout, simultanément, donc c'est vraiment pas mal pour ça. Même si c'est assez limité, hein, parce que c'est pas comme dans Mario Bros, où c'est quand même plutôt sympa de jouer à 4. Là, c'est un peu le bordélique. Voilà, alors au niveau des mouvements, bah. Enfin, c'est un peu bordélique parce que dès qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne un petit peu, hop, il est remis vers le joueur 1 automatiquement. C'est un peu dommage. Et dès qu'il s'échappe de l'écran, hein, dès qu'il part vraiment pas loin, quoi. La caméra, elle est même pas capable de vraiment bien dézoomer. Ça, c'est un peu abusé. Alors, et puis oui, niveau caméra, voilà, on peut la bouger que comme ça, voilà. Alors bon, ça... Bon, ça, ça n'a pas été une surprise pour moi, parce que dans Mario Galaxy, on était très limité aussi au niveau de la caméra. Mais après, voilà, ce que vous voyez là, pour moi, c'est pas de la 3D. Enfin, pour moi, ça fait plus Mario, c'est de la 2,5D. C'est entre de la 2,5D et de la 3D. Bon, ça, c'est la nouveauté de ce Mario 3D World. Bon, on est en 2019, donc je dirais, bon, dire nouveauté, c'est un peu... ça fait un peu bizarre. Il y a déjà Mario Odyssey et tout. D'ailleurs, Mario Odyssey, je l'ai complètement torché. Et je le trouve bien supérieur à celui-là, évidemment, encore heureux. Voilà, on peut grimper comme ça les... Ça, c'est une bonne trouvaille quand même. C'est un peu cheaté par contre.
J'avoue que ce déguisement, c'est peut-être le déguisement le plus cheaté du jeu. Parce que déjà, on peut faire une attaque plongée comme ça. On peut donner des coups de patte, voilà, des coups de griffe. Assez efficace. On peut glisser comme ça aussi. Voilà. Puis voilà, regardez comment il est tout mimi. Le petit toad. Ah, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas zoomer. Mais voilà, on voit quand même la distance d'affichage, c'est plutôt pas mal. Alors par contre, ils ont mis... comment on appelle ça là? L'effet de flou là, quand on voit de loin. Ça, ils ont... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est une option qu'on met sur les jeux PC. Et qu'on peut enlever, d'ailleurs moi je préfère l'enlever parce que personnellement... C'est un cache-misère en fait. C'est parce que... Parce que quand on voit très loin dans les jeux, parfois ça charge pas toutes les textures et du coup de loin, c'est assez moche. Alors là je pense pas parce que ça reste, c'est un jeu Nintendo, c'est quand même assez maîtrisé. Mais bon, malgré tout ils ont mis cet effet là. En fait cet effet là permet de cacher, c'est un cache-misère, voilà. Ça cache les textures pauvres, parce que de loin les textures sont pauvres. Et quand on se rapproche après elles sont de plus en plus détaillées, enfin, tout simplement. Ça c'est la distance d'affichage. Et du coup pour cacher le problème de distance d'affichage, on a cet effet de flou. Donc moi je suis pas vraiment fan, hein. Je préfère limite même voir les textures un peu fades au loin, ça me gêne pas. Au moins qu'il y ait un fond quoi. Bon, de plus en plus on utilise ça quoi, cette méthode. Donc voilà, vous pouvez voir que le jeu marche en 60 fps, 1080p. Ça y a aucun souci là-dessus, le jeu tourne en 1080p, ça fait plaisir. Et bon en même temps... Vous me direz, il n'y a pas énormément des décors à droite à gauche. Le jeu est très joli, mais très épuré en même temps. Hop. Bon, sinon, les musiques, elles sont sympas. Voilà, là, on entend en fond la musique principale. C'est la musique du trailer, il me semble. Voilà, on peut devenir géant. Le champi géant. C'est là que je me dis que ça fait vraiment, du coup, Mario 2D. C'est que dans les Mario 2D qu'on a le champi géant. Hein. Voilà, on détruit tout. Bon, j'ai la flemme de prendre tous les passages. Voilà, tout ça pour vous dire que là, hop, on a un petit raccourci là pour choper l'item qu'on a en réserve. Parce qu'on peut garder un item en réserve, comme dans Super Mario World de la Super Nintendo. Et il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup de... Il me semble que c'est le seul jeu où il y a ça. Ou que peut-être si... Ah, je sais plus. Est-ce que les Mario Bros Wii U, là, Mario Bros Wii et Wii U, est-ce qu'on pouvait faire ça? Je sais plus. Il me semble que non. Non. En même temps, ils étaient déjà très faciles, ces jeux-là, donc... Voilà, on est à la fin. Alors, évidemment, tout en haut du drapeau... Bon, normalement, dans les anciens Mario, on gagnait de 1-up. Là, on gagne plus de points, parce qu'il y a beaucoup de scoring aussi dans ce jeu-là. Il y a vraiment beaucoup de scoring. Et voilà, là, j'ai récupéré deux petites étoiles vertes. Normalement, on doit... il y en a trois dans chaque niveau. Et ces étoiles vertes nous permettent de débloquer... de débloquer les futurs niveaux qui sont bloqués, en fait, par un certain nombre d'étoiles vertes à récupérer. Là, pour l'instant, on n'a pas ce souci-là, mais pour plus tard... Ah, et aussi, c'est important d'avoir... d'aller tout en haut aussi des drapeaux, quand même. Parce que c'est pour compléter après le 100% et il me semble que on débloque aussi de futurs niveaux en faisant ça aussi. Et parce que quand on finit entre guillemets le jeu, ça c'est plutôt pas mal par contre, il y avait une surprise à la fin. Donc là voilà, petit spoil quand même. Parce qu'on débloquait pas mal de niveaux voilà, différents. Qui se passe dans un environnement assez Mario Galaxy quoi. C'est pour les nostalgiques de la Wii. Voilà, même si bon, la Wii elle est pas très vieille. Bon, je vous ai pas dit, mais ce qui est génial avec mon nouveau boîtier, c'est que j'ai aucun nipou de lag. Voilà, donc quand je l'installe, c'est pas comme l'autre où à chaque fois j'avais quasiment, mais j'étais quasiment à une seconde, hein, enfin pas non plus, mais c'est pour ça d'ailleurs que il y a des vidéos où je me débrouille assez mal et c'était souvent sur console, c'est parce que j'avais mon nipou de lag de la mort. C'est pas une excuse. Le laver média, il a un input lag assez incroyable. Par moment. Des fois, faut le débrancher, le rebrancher, et des fois, ça,
L'input lag est un peu limité du coup, mais on le ressent quand même toujours. Donc là voilà, avec le nouveau boîtier que j'ai, voilà, c'est un Elgato HD60S. Donc un truc assez haut de gamme quand même. C'est pas de la merde. Je prends des trucs au sérieux pour vous, attention. La qualité. Et bon, à côté de ça, faut quand même avoir un PC. Et bon, voilà, c'est... Moi, j'ai l'équipement, moi, ça va. Hop, j'ai eu de la chance, là. Faut avoir un PC avec un processeur i7 minimum. C'est sympa. Hein. Un PC portable. Après, je pense que ça tournerait mieux sur mon PC fixe. Mais bon, je n'ai pas deux écrans. Je n'ai pas un écran d'ordinateur juste à côté de ma télé. C'est pas pratique. Et encore une fois, encore un autre truc qui est génial, qui est bien mieux que le boîtier d'avant. C'est que le boîtier d'avant, des fois, il pouvait planter. Et s'il plante, tout est perdu. Et ben là, pas du tout. Là, il peut planter. Enfin, il peut planter, je sais pas si j'ai une merde avec mon ordi. Hein. C'est plus ça. Et si jamais il plante... Et bah on peut quand même récupérer le fichier. Voilà, ça me fait chier quand même de... Ah, allez, je le chope à l'arrache comme ça. Normalement, faut avoir la carapace, mais bon, elle repop pas. J'avoue que je suis un peu de la merde. J'avoue que je suis un peu du caca. Mais le jeu est très facile, hein. Même à la toute fin. Les niveaux sont pas très compliqués, même les niveaux bonus à la toute fin, à part peut-être les 3 niveaux bonus qu'on a vraiment à la fin. Ils sont, oui, qui... C'est un petit challenge, mais bon, à côté de Mario Galaxy, c'est rien du tout. Hein. Et à côté de Mario Sunshine, c'est encore pire. Mario Sunshine est hyper hard. C'est le Mario 3D le plus hard, de toute façon. Si vous voulez galérer dans un Mario, prenez Sunshine. Ouais, je vais essayer de petit. On a des bons objets. Ouais, puis ce qui est bien, c'est que là, il n'y a plus de mini-jeux à 2 balles pour avoir les objets, là. Hop, on chope direct les objets, comme ça. C'est plus rapide. Et c'est plus sympa. C'est les mini-jeux étaient un peu pénibles, je trouve, dans les Mario Bros. Mais voilà, je trouve, je sais pas pour vous, mais là, on enchaîne niveau par niveau. Pour moi, c'est... C'est vraiment un Mario Bros en 2,5D, quoi, et c'est tout. Mario 3D World. C'est ça le gros problème. Et voilà, avant, sur 3DS, on avait Super Mario 3D Land. Juste avant celui-là. Et c'était exactement la même chose. Mais là, c'était plus excusable, on va dire, parce que c'était un jeu sur console portable. Même si, sur console portable, quand même, on avait, sur DS, on avait Mario 64. Mario 64, quand même, est bien plus évolué. Quand même un jeu, même aujourd'hui il a quasiment pas pris une ride, hein. À part bah, graphiquement, évidemment, graphiquement il est moche, hein. C'est un jeu Nintendo 64, mais à côté de ça, voilà, on est dans un monde en 3D, on est bien plus libre que dans ce jeu là, j'ai l'impression de refaire un vieux Mario. J'ai rien contre là dedans, mais le problème c'est qu'il devrait pas s'appeler Mario 3D, quoi. Puis dans chaque, voilà, à chaque console de Nintendo, normalement, on a un Mario 3D digne de ce nom. On a un Super Mario 3D. Là, c'est vraiment, c'est la grosse déception. Même en termes de level design, je trouve les idées, c'est plat. Enfin, je sais pas, là, voilà, on monte, voilà, il y a des powers. Bon, je trouve ça plat. Alors, moi, ça a été une grosse déception. Et puis... Voilà, c'est le genre de jeu où on fait que des petites sessions de 20-30 minutes, pas plus. Hein. Après, on en a marre. Jamais j'aurais dit ça dans un Mario Sunshine, dans un Mario 64 ou dans un Mario... Un Galaxy. Moi, ces jeux-là, là, je faisais des sessions bien de 2h, 2h30, sans broncher. À chaque fois, le level design, en plus, il évoluait, à chaque fois, il y avait des trucs. Et à chaque fois, on découvrait de nouveaux mondes qui étaient vraiment différents. C'était de l'aventure, hein, clairement. C'était épique.
Oh là, je me suis planté, j'ai repris la fleur. C'est bien que la fleur, elle est quand même moins bien que... Que le chat. Voilà, et après, voilà, l'idée de faire des Goombas en chat, c'est quand même pas mal. Peut-être l'une des seules bonnes idées dans le jeu. Hop, je vais mettre ça. J'avoue que je suis assez dur, mais moi, je suis quand même un grand fan des Mario, de Nintendo. Et de voir ça en 2000... voilà. Voir ça en 2013, c'est pas possible. J'ai l'impression juste de faire un Mario 3D Land un poil plus évolué. Mais vraiment un poil, hein. Il aurait pu sortir sur 3DS ce jeu. Tranquille. Avec le contenu qu'il a, franchement. Parce qu'il n'est pas très long en plus, hein. Il y a beaucoup de niveaux mais ils sont assez courts. Il n'est pas si long que ça. Je dirais que il a un poil plus court qu'un Galaxy, Mario Galaxy. Sachant que Galaxy, je le trouvais un peu court quand même aussi déjà. Mais après, voilà. Il était tellement réussi Mario Galaxy, il n'y a rien à dire. À part la durée de vie peut-être, mais voilà. Du premier. Le deuxième est un peu plus long. Puis après, quand on fait le 100%, là, par contre, on a une vraie durée de vie quand même dans Galaxy. Même si dans le 2, ils ont fait la méthode facile pour le 100%. Il fallait juste refaire les niveaux et trouver les étoiles comètes. Bon. Les comètes vertes. Qu'est-ce que c'est, logiciel, ça on s'en fout. Ah, ça c'est les premiers jeux Wii U, le problème c'est que ça fait que de dire oh, faites une pause au bout de 20 minutes, ou faites une pause au bout de 10 minutes, je sais pas trop quoi, ou des fois ça fait des pubs en fonction des fonctionnalités Miiverse, et ça c'était assez pénible. Donc maintenant, de toute façon, le Miiverse est mort, hein, il n'existe plus. Et je sais même pas si on peut encore jouer en ligne sur Wii U. C'est d'ailleurs pour ça que moi je me suis acheté le Mario Kart. Le Mario Kart 8, je me suis racheté sur Switch. Comme un pigeon. En plus, j'avais pris tous les DLC sur Wii U déjà. Je connaissais déjà les circuits DLC. Oh là là. Attention, vous avez. Ceux qui m'ont pas mal suivi sur la chaîne, vous avez bien vu. Hein. On se fait des vidéos sur. La vidéo découverte sur. Sur les nouveaux circuits des deux DLC. Dans ce niveau-là, il est pas mal, pas. Il est sympatoche, il est pas dur. Hein. Ouais. Un minimum d'adresse, mais bon. Ça reste quand même assez facile. Il est très joli. De toute façon, on peut pas lui reprocher. Le jeu est très épuré, mais à côté de ça, il est magnifique, hein. Il est très joli. Haut en couleur. De toute façon, dans un Mario, généralement, les graphismes, c'est maîtrisé. Quand on voit la gueule de Mario Galaxy, à aucun moment on se dit ça tourne sur une Wii, ça. Ah, c'est parfait. Bon, j'ai loupé une étoile, bah, c'est pas grave. J'avoue que j'en loupe beaucoup là, mais je me concentre pas trop. En temps normal, elles sont pas très dures à toutes choper. Du premier coup. Elles sont pas véritablement cachées, c'est pas. Mais en quelques-unes, peut-être un peu compliqué, mais. Bon, généralement, c'est quand même assez accessible. Après, j'avoue que Mario Odyssey, il est pas vraiment plus dur que ce jeu-là. Sauf à la fin, oui, j'avoue que Mario Odyssey, par contre, il a quand même des niveaux assez retors après la fin du jeu. Il y a aussi des trucs dans Mario Odyssey après la fin du jeu. Mais si on fait que le jeu classique de Mario Odyssey jusqu'au boss final, oui, c'est sûr, il est pas plus dur que ce Mario 3D World. Il est aussi simple. Mais à côté de ça, voilà, on voyage, on fait des mondes bien différents. Là, voilà, les mondes qu'on a dans ce Mario 3D World, il n'y en a aucun qui va vraiment nous surprendre, à part le monde des temples asiatiques. Ça, c'est plutôt sympa, c'est une bonne idée.
Le monde aussi de Bowser à la fin, là, dans sa fête foraine. C'est quand même une bonne idée, hein, pour une fois qu'on n'est pas dans un château, tout ça. C'est plutôt pas mal. Mais sinon, le reste, voilà, c'est le monde de glace, le monde de désertique, là, les plaines. Enfin, voilà, le truc hyper classique, hein. Ce qu'on a dans les Mario. Dans les Mario, comment on appelle ça, les Mario Bros. Donc là, je vais essayer. C'est ça, c'est un niveau qui se joue avec le gamepad. Le problème, c'est que mon gamepad. Est-ce qu'il a de la batterie? Non, c'est génial, il a pas de batterie. Parce que là, je joue à la manette pro. Il a jamais de batterie, le gamepad, c'est une catastrophe. Hein. Moi, j'ai pas de prise juste à côté, là. Maintenant, c'est le PC qui est branché. C'est. Voilà. Ah, parce que si vous y connaissez un minimum en PC portable, il faut savoir qu'un PC portable, s'il n'est pas branché, il utilise seulement 30% à peu près de sa puissance max. Et du coup, mon PC portable n'est même pas capable d'afficher du 60 FPS. Si je filme. Même en 30, il risque d'avoir des petits bugs. Alors que je le branche, là, c'est nickel. Bon là voilà, par exemple là il faut 10 étoiles, donc on peut y aller directement. Bon, en fait je voulais vous montrer le niveau avec le gamepad, mais tant pis, on le fait pas. Au pire je mettrai dans le lien dans la description du test de Captain Toad que j'ai fait il y a assez longtemps. J'ai fait ça en 2015 je crois. Ça date. Pour vous dire, ouais, je me souviens, j'avais même pas encore mon Game Capture HD. Ah, c'était le Game Capture normal quoi. La première version qui faisait même pas HD. Donc même si je mettais en 720, c'était pas vraiment du 720 quoi. C'était entre le 480 et le 720 quoi. Ça date, donc oui, c'était 2015, peut-être 2014 limite. Alors, je pense mi-2015, un truc comme ça. Voilà, c'est les niveaux un peu, on va dire, un peu niveau de château. Là, vous voyez quand même, il y a un beau fond. Et la musique est pas mal en fond. Elle fait assez épique et tout. Non, franchement, l'OST elle est pas mal par contre. J'ai pas grand chose à dire sur l'OST. C'est pas non plus du niveau de Mario Galaxy. La Galaxy, c'est. Il explose tout. Mais on est quand même bien mieux que Mario Sunshine ou Mario 64. Hein. Et voilà, voici Bowser dans son bolide. Un 2 litres, 200 chevaux, 4 cylindres, c'est parti. Et il roule à 20 km/h avec. Et hop, il faut balancer ça. Bon, c'est le premier boss, hein, donc il est très très simple. Vous voyez, voilà, première fois qu'on voit Bowser en HD, là. En véritable HD, parce que nous, Super Mario Bros. Wii U, on va pas dire que c'était ouf. Et là, il en impose quand même. Le bougre. Bon, il en impose moins là. Voilà, ce thème de la victoire, il est épique. Aussi. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, si on peut aussi sauter quand même. Les mouvements sont sympas quand même, ils sont sympathiques. Parce que là, je peux faire aussi un plongeon et faire B juste après, il fait une autre glissade. Enfin, un autre plongeon. Par contre, on n'a pas le droit au triple saut, ça je sais pas pourquoi. Voilà, on peut pas faire le triple jump, voilà. Avec le super salto après, qui fait Mario. Ou Toad en l'occurrence. Hop!
Voilà, en tout, il me semble qu'il y a 6 mondes. Donc là, on a fini le premier monde. Ça vous donne une idée à peu près de la durée de vie du jeu de base, si on fait pas le 100%. Mais après, il me semble, à la toute fin, on a un monde assez gros. Et on a un deuxième monde qui est pas mal aussi. Et le troisième qui comporte que 3 niveaux, par contre, lui. Donc on voit, en tout, on a 9 mondes. Donc voilà, ça reste classique. Et c'est pas très difficile de débloquer le monde 7. Hein. À la fin, le monde bonus. Faut avoir un certain nombre d'étoiles vertes et bon, on en a quand même suffisamment en arrivant. En finissant normalement le jeu, normalement, on est quasiment au bon nombre. Voilà, on va continuer un peu, vous allez voir que c'est. Ah voilà, c'est le monde désertique. En plus, soit par hasard, c'est le monde 2. C'est très coloré, c'est très joli, mais bon. On connaît hein, ces environnements. Bon, voilà, ça c'est les trucs, il me semble, pour avoir. Voilà, c'est ça, pour avoir différents badges. Enfin, tampons. Mais bon, c'est pas très intéressant. Bon, c'est toujours un truc pour faire le 100%. La collection. Mais en vrai, si, c'est quand même important pour débloquer les niveaux finaux. Voilà. Alors, on va faire celui-là. Et je pense qu'on va se quitter après. Parce que je pense que j'ai fait à peu près le tour. Pour une fois qu'on va faire une vidéo vraiment pas très longue. Une vidéo test. Temps normal, là on est à 26 minutes, j'ai vu. Avec l'intro, on sera peut-être à 27 minutes. Là, c'est plutôt pas mal. Ah, puis ça faisait un petit moment que je comptais faire des vidéos tests sur les Mario 3D. J'ai pas mal de choses à dire sur ces jeux-là. Et j'avoue qu'à la base, je voulais pas vous montrer celui-là en premier. Mais bon, là, c'est plus pratique. Parce qu'à voir, le boîtier, il est prêt. Hop, il est branché sur la Wii U. Parce qu'à la base, il est tout le temps branché pour les Mario & Luigi Super LOL Saga. Donc ça tombait bien. Et puis bon, j'ai quelques jeux Wii U encore à faire en vidéo test. J'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai pas beaucoup de jeux Wii U. En tout. J'ai vraiment le principal. Parce que la Wii U, c'est quand même. C'est un peu le désert quand même au niveau des jeux. S'il n'y avait pas les jeux Nintendo, je l'aurais pas acheté, c'est sûr. Limite, j'en ai tellement pas beaucoup que je peux pas faire un top 10. Parce que je sais que j'en ai quand même plus de 10, mais les autres jeux, c'est des jeux éditeurs tiers. Enfin, comment dire. C'est des multiplateformes, ouais, des jeux multiplateformes, donc bon après, on peut pas trop noter là-dessus. Même si par contre, Rayman Legend, je le mettrais dans le top. Ça serait un top 6, je pense. Ou 5. Je compterais faire quand même un top comme j'avais fait il y a des années là sur la GameCube et la Wii. J'avais fait un top 10 avec des montages et tout. Sachant que maintenant je maîtrise beaucoup plus le bousin, je fais quand même des montages beaucoup mieux. Beaucoup plus agréable visuellement. Donc, par exemple, regardez le montage sur les différentes musiques de Sonic. Top 20 sur OST de Sonic 3D. Là, il y avait bien plus de maîtrise que mes derniers montages sur Wii. Top 10 Wii. Ah, mais ça, on évolue non-stop. Hein, quand on débute au tout début. Mais bon, je reste satisfait du boulot que j'ai fait pour les top 10. Fonction Nintendo Network, vous pouvez désormais activer les. Ouais, mais ouais, ça on s'en fout.
Normalement, on peut plus. Ah, c'est bizarre ce truc-là. J'avais pas tout ça avant. Ah, on s'en fout. Il demande trop de trucs. Hein. C'est pour publier un peu comme un Facebook, dire « Wow, j'ai fini ce niveau, c'est génial. » Je vois pas tellement l'intérêt. J'ai pas trop utilisé ces trucs-là. Ah, quelquefois pour montrer mes temps dans Mario Kart, mais à part les temps de Mario Kart, je vois pas trop l'intérêt. Hop. Les plans de piranha. À ce niveau-là était pas mal aussi. Bon après. Là, ça fait très Mario 3D Land quand même. Sur 3DS. Les effets de. D'ombre et tout sont plutôt. C'est quand même bien fait. Puis le tout tourne en 1080p. C'est quand même assez propre. Par exemple, Mario Kart 8 sur Wii U tourne en 720p. Oui. C'est pour ça qu'il est un peu plus flou. Après, ça reste quand même très joli. Bon, là, il me semble que faut faire ça. Ah non. Faites passer en dessous là. Petite énigme là. Ah bah voilà. Ah non, mince, attendez. Comment on fait avec ces trucs-là, déjà? Ah non, si, c'est vrai, faut faire juste ça. Juste taper. Voilà. Là, ça fait vraiment penser au niveau 3D Land, ça. Quand on jaugeait avec la 3D de la 3DS. Sauf que là, forcément, bah, on peut pas, du coup, ils ont fait ça avec... ils ont joué avec les ombres. On n'a pas de télé 3D. Ah ça c'est plutôt rigolo aussi. Voilà, hop. Ah, niveau énigme quand même, il y a des bonnes petites idées des fois, mais il en manque je trouve, il en manque des idées comme ça. Il n'y en a pas assez. Voilà, puis là, voilà, on peut grimper tranquille quand on est en chat. C'est quand même pas mal cheaté. Hop, un nouveau tampon, c'est génial. Enfin voilà, et puis surtout je voulais faire un vidéo test comme ça pour montrer quand même c'est le retour de vidéo test. Et voilà, j'ai envie de vous dire aussi à la fin de ce test que voilà le. La semaine prochaine, moi, je pars en déplacement, en vacances, dans une semaine. Je peux vous dire, c'est à Barcelone. Et du coup, ça sera compliqué pour caser les vidéos. Hein. Voilà, pour travailler sur... parce que j'ai un gros projet là à faire pour une future série sur ma chaîne secondaire. Donc pas celle-là, mais sur la chaîne secondaire. Par contre, je mettrai l'épisode 1 aussi sur cette chaîne-là, pour faire de la pub. Mais par contre, la suite se passera sur l'autre chaîne, Oliver Plasma. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas refait... Enfin, que j'ai pas reposté les vidéos sur Oliver Plasma. Bon, mais d'ailleurs, pour Oliver Plasma, j'ai la flemme de remettre les Slayers, là, il y en a qui sont virés, qui sont chantés, bah, peut-être que... qui ont chanté. Peut-être qu'un jour, je les remettrai, mais franchement, c'est pas pressé. Là, je me focalise sur vraiment. Sur voilà, Super LoL Saga comme d'habitude. Et aussi. Cette future série. Je ne dis pas ce que c'est. Ça va pas être sur. Ça va pas être sur un jeu. En particulier. Ça ne sera pas. Bah, du coup, ça ne sera pas un Let's Poop ou un truc comme ça.
Voilà, je préfère le dire parce que là, c'est assez flou. Du coup, ça sera une série audio, donc une série MP3. Fait par mes soins, attention. Bon, alors pour l'instant, je suis seul à faire les voix. Donc ça se fera avec des logiciels, on modifiera un peu tout ça. Voilà, la donjon de Nahulbuck style. Mais voilà, et ça, je compte le faire. Normalement, je voulais vraiment le faire fin juillet. Le problème, c'est que voilà, par manque de temps et tout, et en ce moment, je fais pas mal de sport, tout ça, et j'ai pas trop le temps le week-end. Au moins, juste le temps pour un peu travailler sur Super Le Saga et faire au moins un épisode par mois, à peu près, hein, avec des retards des fois. Mais là, c'est quand même un rythme assez soutenu, et Super Le Saga. Avant, il y avait pas un épisode pendant 6 mois. Hein. Ah, je dis ça, mais avant c'était pire. Là, un épisode par mois. Bon, c'est vrai que j'aimerais faire un épisode toutes les 2 semaines. Je pense que ça serait peut-être possible, mais là, en ce moment, voilà, j'ai vraiment très peu de temps. C'est un peu compliqué. Voilà, au mois d'août, je pense que après la semaine de déplacement, je pense que je pourrais prendre plus mon temps du coup sur la série audio, la série MP3. Et d'ailleurs, cette série-là, j'ai quasiment fini hein, le script, je suis à 70% à peu près, je dirais, de ce que j'ai fait, pour tout vous dire, il y a 6 épisodes, voilà, pour l'instant, qui sont faits. 6 épisodes, et je compte en faire à peu près 9, ouais, 9 épisodes. Je pense que ça va être en 9 ou 10 gros maximum. Et voilà, ce sera des épisodes de entre 5 et 10 minutes à peine. C'est 5 minutes à peu près. Mais ça demande beaucoup de travail. Une série audio. Et puis je compterais. Bah, je compterais faire du coup. Normalement un épisode. Poster un épisode par semaine. Ça peut être pas mal. Un épisode par semaine. Et si j'ai plus le temps, si ça se trouve, ce sera en moins d'une semaine. Mais bon, je préfère dire un épisode par semaine. Voilà, on dit un truc large. Un épisode par semaine, ça sera un épisode le dimanche, je pense. Le week-end, samedi ou dimanche. On verra. Après, je peux pas donner des horaires et tout. Ah, c'est pas... Ah, Oliver Flarf, c'est pas encore une grosse chaîne, hein. C'est pas encore bien placé, et en plus, à côté de ça, j'ai un boulot, tout ça. Ah, moi, c'est pas mon boulot, YouTubeur. C'est ma passion. Donc après, à chaque fois, c'est compliqué pour moi de fixer vraiment des dates. C'est pour ça que j'ai des fois, voilà, il y a des gros blancs. Pendant 2 semaines, il n'y a pas de vidéo. Alors, en ce moment, c'est vraiment compliqué. Enfin, voilà. J'avoue que je raconte un peu ma life, mais... Enfin, je voulais poser ça tout de suite. Mettre un point à ce niveau-là. Même si, bon, il y aura forcément la vidéo Fichtre... C'est combien maintenant? Fichtre 7 ans qui arrivera vers le mois de novembre, il me semble que c'est... Enfin non, le mieux c'est de le faire quand même au mois de septembre. Non, je le ferai au mois de septembre. Je trouverai un jeu sympa à faire en fond. Comme on a fait pour The Witcher 3 avant, et puis encore avant, pour on a joué à des jeux Super NES. Mais voilà, il faudrait un Fichtre 7 ans, là. Au mois de septembre. Pas plus tard que le mois de septembre, parce que... Là où tout a commencé, la chaîne, c'est le mois de septembre, c'est, pour tout vous dire, c'est, il me semble, le 22 septembre 2012. Alors, de tout, ça me rajeunit pas tout ça. À cette époque-là, c'était filmé avec la 3DS. Une catastrophe. La qualité, a pris. Ah, ça change. Enfin, voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, je pense que voilà, je vous ai tout dit à peu près sur ce jeu-là. C'est une déception. Après, ça reste quand même un petit jeu sympatoche à faire. Mais surtout bien en multijoueur. Voilà, en multijoueur, on peut s'amuser, même si c'est assez limité. Mais après, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Puis on est déjà à 40 minutes. Ah, et puis le fichtre. Alors, en même temps, j'ai expliqué à la fin les... Ce qui va se passer sur la chaîne à l'avenir, là, attention. Le futur. Et ouais, du coup, il y aura aussi ouais, des vidéos tests, je pense, sur PS4. Voilà, quelques vidéos tests sur PS4, je pourrais vous en faire. Sur ce, à l'envoyure pour de nouvelles aventures.
et de nouveaux vidéos tests.